Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naël et aujourd'hui je vais vous apprendre à extraire une chaîne de caractères. Cette extraction de chaîne de caractères peut se faire de plusieurs façons, par le biais de plusieurs fonctions ou par le remplissage instantané ou par Power Query. Power Query, je vous rappelle que c'est un outil extrêmement puissant, qui est utilisé dans la gamme Business Intelligence. Bien sûr, les détenteurs des dernières versions d'Excel auront accès au remplissage instantané et à Power Query. Ces deux thèmes, je les aborderai juste après l'élaboration de plusieurs fonctions pour extraire des données. Alors, j'ai à votre disposition plusieurs exemples. Premièrement, comment concaténer plusieurs informations se trouvant dans plusieurs onglets. Par exemple ici, j'ai la date de naissance, le numéro du salarié, le prénom et le nom du salarié. Ce que je souhaiterais, c'est concaténer ces quatre éléments, mais tout d'abord en commençant par le prénom, par la suite le nom, né le et la date de naissance. Le deuxième exemple consistera quant à lui, à partir du prénom et du nom se trouvant dans la colonne A, je souhaiterais inverser le sens, c'est-à-dire commencer par le nom et par le prénom. Donc là, je devrais faire appel à plusieurs fonctions, droite, NBCAR, trouve et gauche. Le troisième exemple consistera, quant à lui, à récupérer dans une chaîne de caractères uniquement le mot identifiant et le numéro d'identifiant se trouvant dans la colonne C. Donc à partir de là, j'aurai besoin de la fonction STIST et cherche. Et pour finir, je souhaiterais récupérer le numéro d'immatriculation que j'ai mis bien sûr dans la colonne B suite à une chaîne de caractères qui englobe le prénom, le nom, l'IMAT et le numéro d'immatriculation. Alors là, j'aurai besoin de la fonction STIST et cherche. Par la suite, je vous montrerai avec un outil qu'on appelle remplissage instantané que nous pouvons avoir instantanément, comme l'outil le précise, par des remplissages instantanés. Nous pourrons faire aussi le même travail avec Power Query. Power Query qui est un requêteur de la gamme Business Intelligence. Restez jusqu'au bout de cette formation afin de comprendre tous les rouages de toutes les fonctions du remplissage instantané et de Power Query. Le premier exemple consistera à concaténer, c'est-à-dire à réunir dans une seule cellule plusieurs informations se trouvant dans plusieurs cellules et plusieurs colonnes. Je vais donc concaténer ces informations. Donc je vais commencer par le signe égal, concaténer. Je prends la fonction concaténer et je vais d'abord commencer par le prénom. Donc je commence par la cellule C2. Je vais à cela ajouter le nom. Donc le nom, je souhaiterais qu'il y ait un espace entre le prénom et le nom. Donc je vais mettre un « et » commercial du texte, si vous le voulez, guillemets, espace, guillemets, et un autre « et » commercial. Et je vais sélectionner le contenu de la cellule D2. Je souhaiterais aussi mettre « né le », donc précédé tout de même par un espace, donc « et » commercial, guillemets, espace, guillemets, « et » commercial. Et je vais mettre aussi entre guillemets, né le, donc un espace, né le, je ferme les guillemets, c'est du texte. Et pour finir, je vais récupérer la date de naissance dans la cellule A2, donc je vais mettre aussi un et commercial, et je vais procéder par la fonction texte, texte dont la valeur, bien sûr, c'est la cellule A2, point virgule, et le format, entre guillemets, JJ pour jour, slash, MM pour moi, slash, et 4 fois A, 1, 2, 3, 4 pour les années. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction texte et la fonction concaténer. Je fais entrer. Je vais bien sûr faire un copier-coller, mais avant cela, je n'ai pas mis d'espace entre né le et la date. Je vais donc y remédier en me mettant en mode édition, en cliquant deux fois dans la formule, et ici après le je mets un espace, je fais entrer, ici je vais faire un copier-coller, voilà comment concaténer des informations dans une seule cellule et se trouvant dans plusieurs cellules. Je vous montrerai par la suite que il y a une manière beaucoup plus simple de procéder à ce concaténage via Power Query. Deuxième exemple
Je vais à présent extraire des données, mais plutôt inverser dans la colonne B. Là, dans la colonne A, j'ai le prénom et le nom, mais ici, je souhaiterais avoir d'abord le nom et ensuite le prénom. Alors, ce n'est pas chose aisée. Pourquoi ? Parce que les prénoms ont des nombres de caractères différents, donc je vais devoir imbriquer plusieurs fonctions. Comme le prénom Landry, pour le premier exemple, en cellule A2, est à droite de la cellule, je vais d'abord lui dire à Excel de commencer par la droite. Donc, il y a une fonction qui s'appelle droite. Donc, je vais sélectionner cellule A2, point virgule, et je vais aussi lui dire de calculer le nombre de caractères jusqu'à l'espace. L'espace qui est entre le prénom et le nom. Et à partir de là, lorsque tu trouves l'espace, tu me soustrais afin d'avoir que le nom. Donc, à partir de là, je vais aussi lui demander de calculer le nombre de caractères avec la fonction nbcar de la cellule A2 aussi. Et une fois que tu as calculé le nombre de caractères, tu me soustrais tout ce qui précède juste après ou avant l'espace qu'il y a entre le prénom et le nom. Donc pour que Excel aille jusqu'à l'espace, c'est-à-dire la cellule vide, je vais utiliser la fonction trouve. Donc Excel me demande dans la fonction trouve, que cherches-tu ? Eh bien, je cherche l'espace. Donc guillemets espace guillemets point virgule et toujours pareil de la cellule A2. Donc si je m'arrête en l'état, donc je vais fermer la fonction trouve et la fonction droite, je fais entrer. Là, je n'ai que les noms. Comme je souhaite à présent ajouter le prénom, donc je précédé par un espace, donc je vais revenir en mode édition F2 ou cliquer deux fois dans la cellule B2. Donc je vais venir à la fin de la formule, hein, la formule imbriquée avec droite, NBK et trouve. Donc je vais mettre un et commercial guillemets espace guillemets afin de lui préciser que je souhaite un espace entre le nom et le prénom et je vais continuer avec un et commercial et je vais dire à Excel maintenant fixe-toi sur la gauche. Donc je vais mettre gauche afin de récupérer le prénom. Donc gauche de la cellule bien sûr A2 et là c'est pareil, je vais lui dire va jusqu'à la cellule vide, c'est-à-dire l'espace. Donc je vais ici fermer ou plutôt mettre un point virgule, nombre de caractères, et bien c'est la fonction trouve, comme précédemment, je cherche bien sûr l'espace guillemets, espace guillemets, et ici, toujours pareil, de la cellule A2. Donc je ferme la fonction trouve, et je ferme la fonction gauche. Je fais entrer, Excel m'a renvoyé le nom et le prénom. Donc je fais un copier-coller, je vérifie que toutes les cellules sont correctes, en effet, le deuxième, c'est bien démarré et Paul. Je vous laisserai bien sûr le fichier avec toutes les fonctions dans la description de cette vidéo. Troisième exemple, dans la chaîne de caractères se trouvant dans la cellule A2, je souhaiterais récupérer non pas le prénom et le nom, mais le mot identifiant suivi du numéro d'identifiant. Alors, comme identifiant et le numéro d'identifiant, en tout cas le mot identifiant ne se trouvant ni à gauche ni à droite, mais au milieu, je vais devoir travailler avec la fonction stxt. J'ouvre ma fonction, je lui précise bien sûr le texte qui est la cellule A2. Je vais d'abord commencer par la fonction trouve, donc point virgule, donc trouve. J'ouvre les guillemets et entre guillemets, je vais lui dire cherche-moi le mot identifiant. Donc le i est en majuscule, identifiant. Je ferme les guillemets. Et Excel me dit quel est le texte, toujours pareil, c'est la cellule A2. Et je sais que identifiant ainsi que le nombre de chiffres qu'il y a, il y en a 17. Donc identifiant et le chiffre et le numéro d'identifiant. Donc je ferme d'abord point virgule la fonction trouve. Je reviens dans la fonction stxc point virgule. Il me demande le nombre de caractères. Le nombre de caractères, il y en a 17. Je ferme ma fonction et je fais entrer.
Je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. En effet, après A2, j'ai mis un point virgule, donc je vais le retirer. C'est une erreur de ma part. Donc si je fais à présent un copier-coller, je me rends compte que dans la cellule B3, il me ramène une valeur, un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que ici, identifiant, il n'y a pas un I majuscule, mais un I minuscule. Alors, dans ce cas de figure, au lieu de mettre trouve, la fonction trouve, la fonction la plus adaptée est la fonction cherche. Pourquoi ? Je vais mettre cherche, je fais entrer. À présent, je vais faire copier-coller et là, ça fonctionne. En effet, avec la fonction cherche, peu importe que vous mettiez une majuscule ou une minuscule, par contre, avec la fonction trouve, si vous mettez une majuscule et que dans un identifiant, il n'y a pas un I majuscule mais un I minuscule, là, ça cause problème. Donc, dans ce cas de figure, la fonction la plus adaptée est la fonction cherche et non pas la fonction trouve. Quatrième exemple, ce que je souhaiterais, c'est récupérer dans cette chaîne de caractères l'immatriculation, donc il y a IMAT et l'immatriculation. L'immatriculation, il y a toujours deux lettres, un tiré, trois chiffres, un tiré et de nouveau deux lettres. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction STXT. STXT, pourquoi ? Parce que l'information que je vais te renvoyer ne commence ni à droite ni à gauche, mais au milieu, enfin au milieu dans le texte. Donc je vais commencer par STXT, STXT de la cellule bien sûr A2, point virgule, et je vais lui préciser de chercher, donc cherche-moi, cette chaîne de caractères avec deux lettres, un tiré, trois chiffres, un tiré et deux autres lettres. Donc, entre guillemets, je vais mettre point d'interrogation, deux points d'interrogation pour les lettres, tiré, trois points d'interrogation pour les chiffres, tiré et deux points d'interrogation pour les dernières lettres. Je ferme mes guillemets, point virgule. Bien sûr, ça concerne toujours un texte, ça concerne toujours la cellule A2. Je ferme la fonction cherche pour revenir dans la fonction STXT. Point virgule, Excel dans la fonction STXT me demande le nombre de caractères, je sais qu'il y a 9 caractères. Les deux lettres, le tiré, plus les trois chiffres, le tiré de nouveau, et les deux dernières lettres, il y a 9 caractères. Donc je mets 9, je fais entrer, je vais faire un copier-coller, et cela fonctionne parfaitement. Comme promis, je vais vous démontrer que nous pouvons utiliser beaucoup plus facilement avec un outil qu'on appelle remplissage instantané. Par la suite, je vous montrerai comment on utilise Power Query pour ce type de problème. Alors, le remplissage instantané n'est accessible que pour les personnes qui ont Office 365 abonnement, Excel 2019 pardon, et Excel 2016, me semble-t-il. Alors, remplissage instantané se trouve dans l'onglet Données, et ici, dans le groupe Outils de données, en survolant ces icônes, vous avez remplissage instantané. Il y a une icône avec un petit éclair. Donc, si je donne un exemple à Excel, donc XL509-LG, je vais voir si Excel a compris, afin de me dupliquer l'exemple que je lui ai donné sur les autres cellules. Donc, je vais aller dans l'onglet « Données », ici « Outils de données » et cliquer sur « Remplissage instantané ». Il semblerait que Excel ait parfaitement compris ce que je lui ai demandé. Donc là, on commence à venir avec une « entre guillemets intelligence artificielle ». Si par exemple, j'essaie dans le premier exemple où j'ai concaténé des informations, je me mets ici. Et si je lui donne un exemple, par exemple, donc Sébastien, alors je vais faire le contraire, je vais mettre d'abord le nom, Landry Sébastien, né le 12/04/2009, donc je vais donner un exemple. Si je vais dans Données, l'onglet Données, ici, remplissage instantané, Excel a parfaitement compris, il m'a mis le nom, le prénom, né le, et la date, c'est bien le 10/10/61. Si à présent j'effectue cette opération avec Power Query, donc je vais sélectionner avec les titres uniquement cette plage de cellules, donc j'ai pas mal d'informations, j'ai la date de naissance, le numéro du salarié, le prénom et le nom. Et je souhaiterais avoir un travail similaire. Donc je vais aller dans l'onglet données, ici dans le groupe récupérer et transformer données, comme c'est une plage de cellules, un tableau en tout cas appartenant au classeur sur lequel je travaille,
je vais cliquer sur cette petite icône à partir de tableau ou d'une plage. Je clique sur cette icône, mon tableau comporte des endettes, oui, en effet il y a des titres, je laisse en l'état, et Power Query va s'activer. Je vais devoir aussi lui donner un exemple. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet « Ajouter une colonne » et ici, je vais sélectionner toutes ces colonnes et aller dans « Colonne à partir d'exemple » à partir de toutes les colonnes. Donc, une option apparaît et je vais, pareil, lui donner un exemple. Donc, je vais commencer par le prénom « Sébastien Landry, né le » et je vais mettre la date 12/04/2009. Si je fais entrer, je verrai s'il a compris ou pas. Donc là, apparemment, il m'a bien récupéré le prénom et le nom, mais la date de naissance est toujours la même que Sébastien Henry. Donc, je dois lui donner un autre exemple afin qu'il comprenne. Donc, Paul Desmarais, né le, je vais lui donner comme date de naissance 10/10/1961, et je fais entrer. Donc, il semblerait que cette fois-ci, Excel a parfaitement compris. Si vous êtes d'accord avec Excel, enfin, en tout cas Power Query, vous cliquez sur OK. Ici, de toute manière, sur votre droite, vous avez toutes les requêtes que vous avez, bien sûr, créées. Donc, à partir de là, je pourrais éventuellement supprimer toutes les colonnes qui ne me servent pas. Donc, je pourrais aussi sélectionner la colonne qui me sert. Donc, je vais lui donner aussi un nom. Hein. Par exemple, je sais pas moi, identité salarié. Je fais entrer. Je sélectionne la colonne. Je clique au droit. Supprimer les autres colonnes. Donc, je ne garde que cette colonne. Je vais par la suite aller dans accueil et je vais charger dans une feuille Excel. Fermer et charger. Donc, un autre onglet apparaît. Appelé tableau 1, et le travail est bien sûr fait. Donc si je retourne ici dans concaténer, donc là on peut le constater que Excel m'a transformé ma plage de données en tableau Excel. Par exemple, si je mets une autre personne, ça va être dynamique, hein. Donc je sais pas, moi je vais mettre par exemple 15/02/2009, bon, par exemple 10/011, je vais appeler par exemple André 102, je sais pas moi, XXX, je fais entrer. Donc ici, à présent, si je retourne dans tableau, il n'apparaît pas, mais si j'actualise, données actualisées, je vais voir ce que cela donne. Et en effet, regardez, André XXX, né le 15 février 2009. La requête fonctionne parfaitement avec Power Query. Vous aurez compris, bien sûr, que si vous avez une version récente, il est souhaitable de passer par Power Query ou bien remplissage instantané. Voilà, cette formation est à présent achevée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.